Salut tout le monde, c'est Darkness Gaming et avec Girl33, bonsoir, ou avec Lola connaît pas. Salut! Ça va? Avec la voix défoncée. C'est ça. Donc on se retrouve pour l'interview de cette petite jeune dame. Donc on va lancer l'interview, la première question. Donc la première question, c'est parti. Comment occupes-tu tes temps libre, voilà? Quand t'as un temps libre, qu'est-ce que tu fais? Je regarde des séries. Et c'est quoi comme série par exemple? Gossip Girl, The Walking Dead, Pretty Little Liars. T'es en train de parler sur ton iPhone. Siri, c'est en route. Je disais Pretty Little Liars, Gossip Girl, Walking Dead. The Walking Dead. Il y en a plein d'autres aussi. Il y a plein d'autres, mais je sais plus trop. Voilà. Ok. Et tout. Voilà. Question numéro 2. Pourquoi qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller sur YouTube? Grâce à toi. Parce que toi, t'as fait des vidéos à moi et du coup, ça m'a donné envie de. Voilà, de commencer une chaîne YouTube pour voir ce que ça a donné. Et voilà, je suis déjà à 100 abonnés. En 3 ans, c'est dommage. Mais bon. En 3 ans, j'ai fait 200 abonnés. Pas 200, 100. Ok, ok. Troisième question, comment te décris-tu dans tes vidéos? J'ai la joie quand je les fais, quoi. Ok. Enfin, quand je suis pas bien, je fais une vidéo et ça me remonte le moral. Parce que je me sais qu'il y a des masses d'abonnés qui sont là pour moi. D'accord. J'espère que ça suffit comme gros. Et s'ils veulent plus de réponses. Mais... Est-ce que tu penses quitter YouTube? Oula, pas du tout. J'en ai encore pour longtemps. Si ça marche bien. Mais sinon, si ça avance pas trop, je pense que je vais faire quelques pauses. Mais là, ça fait déjà. Ça fait presque 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo. Parce que vu que j'ai fait une FAQ, là, vu que personne m'a répondu, ouais. Mais voilà. J'attends encore. Et il me fait des publications pour dire comme quoi je fais une FAQ. J'attends d'avoir des réponses. Mais personne. Oui, mais des réponses. C'est la quatrième question, donc ouais. Cinquième question. De qui t'inspires-tu pour faire tes vidéos? Si tu t'inspires de quelque chose, bien sûr, de quelqu'un, si t'as des petits... Angel Phoenix. Ouais. Une très grande youtubeuse, je veux dire. Oui. Mais j'ai déjà vu en vrai. Oui. J'ai déjà vu, elle était en face de moi. C'est bien, bien ça. Qui d'autre? Madame, mais je sais plus comment elle s'appelle. Y a qui d'autre? Marwa. Marwell. Non, Marwa. C'est qui? C'est une Marocaine qui fait des vidéos YouTube. C'est pareil qu'Enjoy Phoenix aussi. Mais elle est aussi connue, elle est presque connue comme elle, presque. Elle fait des vidéos et tout, très sympa, elle fait des tags, elle fait plein de choses comme ça. Ouais. C'est tout? Enjoy Phoenix et Marwa. Marwa. Bah c'est tout, ouais, après les autres, je connais plus leur. Comment elle s'appelle? Même le nom de leur chaîne, je sais plus comment c'est. Okay. Sixième question, quel est ton but sur YouTube? Par exemple, le nombre d'abonnés ou. le but que tu veux faire ressentir aux personnes? Mon but, franchement, c'est d'avoir atterrir au moins les 1000 abonnés. Atterrir? Atteindre? Non, atteindre les 1000 abonnés. Mais. Je sais que ça prendra très 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 longtemps, c'est pour ça qu'il faudrait bien que je pose sur mes vidéos. Ça va être compliqué, très compliqué. Bah pour l'instant ça va, enfin tu fais des bons trucs et tout. Ouais, mais c'est grâce à... Il y a des montages aussi que j'ai pu avoir. Donc voilà, mais sinon, ouais. 1000 abonnés, ça serait pas mal. Même si c'est dans 10 ans, entre comme ça, je m'en fous, je préfère un... Moi, c'est tout ce que je veux, c'est les 1000 abonnés. Et voilà. La 7ème question, je crois, quand aura lieu ta prochaine vidéo? Quand sortira ta prochaine vidéo? Bah je sais pas trop, ça c'est avec mes abonnés, mais c'est avec mes abonnés que je vais avoir ça. Parce que faut qu'ils me posent des questions et... Oui, bon, c'est après... avec ta FAQ. Oui, mais après je sais que je vais faire une autre vidéo, mais un tag avant de sortir la FAQ. Parce que j'ai sorti la FAQ, posez vos questions, et là, après quand j'aurai des questions, je sortirai la FAQ où je réponds à leurs questions. Ouais. Et du coup je pense que là, dans pas longtemps, je sortirai un tag que je vais faire avec une amie. Dans pas longtemps. Non. Ok. Elle est déjà passée sur YouTube, ton avis? Enfin, sur ta chaîne? Non, pas du tout. Ok. Jamais. Mais elle m'a dit comme quoi elle aime ma chaîne, du coup qu'elle voulait faire une petite vidéo avec moi. C'est sympa. Voilà. Quel âge as-tu? 8ème question, je crois. 14 ans. Ouais. Il y a beaucoup qui disent, je suis petite. Tu sais. Au départ, j'ai vu que tu ne te souvenais plus de ton âge. Tu avais 14 ans? Ouais. Oui. Je crois que j'ai toujours 13 ans. D'accord. 9ème question, est-ce que YouTube te prend du temps? Est-ce que faire tes vidéos te prend du temps?
Franchement, non, pas du tout. Parce que j'arrive bien, je me débrouille bien avec le logiciel de montage, du coup, non. Et quand je fais les vidéos, c'est très rare qu'elles durent dans les 10 minutes. C'est vraiment très très rare, quand je suis toute seule, je fais plutôt des vidéos qui durent 2 à 5 minutes. Ouais. Mais quand je suis avec des amis, elles durent plus de 10 minutes au moins. Donc non, franchement, quand je suis toute seule, j'en fais souvent, en fait, je les fais presque tout le temps toute seule. Non, elles sont vraiment... Non, ça prend du tout le temps. Ok, c'est cool alors. Ouais. Question 10, que comptes-tu faire dans le futur de ta chaîne? Oh là là, c'est-à-dire? Bah, si t'as des projets ou des trucs comme ça. Si tu comptes faire un gros changement, carrément un reboot, un restart, un truc comme ça. Non, mais si j'avance avec qu'il y aura beaucoup plus d'abonnés, c'est sûr que je changerai, j'achèterai peut-être une caméra et tout. Pour bien pouvoir filmer et tout. Avec la perche? Ouais, ou ouais, je ferais des vlogs et tout avec la perche, mais j'hésite, enfin je peux... Je pourrais peut-être m'acheter un appareil photo, enfin voilà. Ouais, je vois. Question bonus. Que conseils donnerais-tu aux personnes qui regardent tes vidéos et qui... Ou mes vidéos, bien sûr. Qui... Mais pour se lancer sur YouTube, justement. Bah déjà, essayer d'avoir une meilleure qualité dès le départ. Enfin, c'est la solution que je donnerais. Avoir une meilleure qualité de départ. Savoir de quoi tu vas parler. Ouais, pas avoir beaucoup de Oui, voilà, c'est ça. Faut que tu saches que tu vas parler. Faut que tu saches aussi le titre que tu as donné à ta vidéo avant de faire la vidéo. Ou voilà quoi. Faut que tu saches aussi les montages. Parce que sans montage, des fois, c'est pas super super. Franchement, des fois, c'est vraiment. Pas du tout super. Je me rappelle, j'avais fait une vidéo qu'on voyait, enfin, où j'avais pas fait de montage. Bah, on est tous passés par là. Je m'étais excusée, même, parce que je trouvais que c'était vraiment nul. Bon. Ouais, après, on passe tous par là. Et puis, il y en a qui ont de la chance, qu'ils ont directement une super qualité. Parce que ça dépend aussi s'ils ont l'argent pour l'acheter, tout, la meilleure qualité et tout. Voilà. Ok, ok. Oh voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, la petite interview de Girl33. Je ne la connais pas. N'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et d'aller voir sa chaîne, de checker ses vidéos. Ouais. Ça fait toujours le plaisir de la crevette qui fatigue. C'est tout ce que je voulais dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis ciao et je laisse le dernier mot. Abonnez-vous à ma chaîne. Gros bisous. Allez, peace!